بريد ديب ويديريد يفغ بران شرا بريد ديب ويديريد يفغ بران شرا يبان امد فجريد وبيت مد مرا يبان امد فجريد وبيت مد مرا Quand la guerre d'Algérie était commencée, c'est là le pauvre qu'il était mal vu par les Algériens. C'est-à-dire, c'est pas par la population, déjà par les Afghans, qui étaient la chanson, le disque sorti, Inès il flanin. Chacun était amené à se déterminer par rapport à ça. Hein. Et il se trouve que lui, malgré lui, il a été embarqué dans un camp qui n'était pas censé être le sien. Et donc, on lui en a beaucoup tenu rigueur. À l'époque, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de maquisards. Alors ça a commencé en 56, quelques-uns. Alors c'est un village voisin. Alors ils nous ont invités à y aller chez eux, d'un village à un autre. Alors quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à nous distribuer des fusils de chasse. Et puis 4 cartouches chacun. Alors on avait peur de répondre de quoi que ce soit. Mais alors, quand la distribution est finie, j'avais le courage quand même de parler, leur dire ce que je pense. Alors j'ai dit, mais ces fusils-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Et ils m'ont dit, c'est pour attaquer le comte d'Agunegegeran, comte militaire d'Agunegegeran. Alors le comte d'Agunegegeran, il est à 100 mètres. Alors je leur ai parlé gentiment, et à mon avis, j'ai raison. J'ai dit, on va tirer sur les militaires du village. Il faut comprendre comment ils vont nous répondre aussi. Je dis, ils vont nous répondre avec le 12-7, les mitrailleuses, et nous avec les petits plans. Je dis, et puis surtout, s'ils vont nous envoyer un coup de mortier qui tombe dans le village, je dis, il y aurait des morts, des femmes, des enfants, des vieux. À ce moment-là, c'est nous qui les ont tués, parce que c'est nous qui avons commencé à allumer le feu. Je dis, si vous voulez travailler, il faut qu'on aille plus loin. On fait des embuscades plus loin, d'accord, mais pas dans le village. Et alors on m'a pris comme un traite. Alors on est parti encore un mois après, et il y a un gars de mes amis qui m'a rapporté qu'ils m'ont condamné à mort. Alors je me suis sauvé
J'ai dit à mes parents, maintenant moi, il ne me reste rien à faire que l'armée française. Il n'y a que là-bas que je vais me sauver. Mais votre frère, donc, lui, par rapport à tout ça, il se positionne comment? Enfin, il a jamais pris de position comme vous, vous avez pris des non, positions? Jamais de la vie. Donc, quand on s'est rallié, nous avons peur, il y avait un autre frère à Boujma. Nous avons peur qu'ils vont les tuer en France. On leur avait écrit pour venir nous rejoindre là-bas, en protection. J'ai même reçu une condamnation à mort qui m'a été envoyée par le FLN. Et quand j'ai vu que c'était comme ça, ben j'ai été chez Slimane pour quelques jours. Quand il l'a vu, assez souvent, il a entendu des règlements de compte à des chanteurs. Ils leur ont posé des bombes sous la table et après, il s'est arrêté. Donc il s'est mis en retraite, il était chez lui. Il s'est retiré de la musique par la peur. يا فروخة عش العلي نسي ذور المثير ذن ثواسي فذو وضعيسي تسداري وضين يا فروخة عش العلي نسي ذور المثير ذن أثياني نذو وضعيسي دني حرك لنتسور يخذي مرا لمرين لشي طلع قل يكيش نف الحورية من نسم دني حرك لنتسور يخذي مرا لمرين لشي طلع قل يكيش نف الحورية يمين كني نترغل نتسرق زد الشمثان وبيديو سنة دغيما هم جارت بث مرتان داري من ضبراني دي ثمولة من دن الوحش والمحاني ما ضرب بكرد داري من ضبراني